Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne TCIS, la chaîne des anges perdus. Qu'est-ce que c'est alors? Vous allez me dire pour les nouveaux. Ceci, c'est la parole des personnes défuntes, mais aussi avec du matériel. Du matériel adapté. Amis, alors nous arrivons dans des bunkers anciens en pleine campagne. Il y en a deux, l'autre on peut peut-être pas y aller, ça peut être accessible, je sais pas. En tout cas, je vais déjà faire celui-ci et on va essayer de faire un test dans cet endroit qui est vraiment historique. Donc voilà. Nous allons commencer. Alors, on ne voit pas tellement. Normalement, il n'y a pas de lumière. Bonjour. Bonjour. J'aimerais parler aux anciens soldats qui étaient ici. S'il y en a, bien sûr. Il y a quelqu'un? Regardez, il y a une date. 1844. Oui, bonjour. Pouvez-vous me parler de ce bunker? À quoi il servait? Moi, c'est Angéline ou Dolores, comme vous voulez. Alors, en pleine campagne, ce bunker est en pleine campagne, n'est-ce pas? Pouvez-vous m'en dire plus? Il n'y a pas d'autre profondeur que ça? Ils ont bouché. Comment? Est-ce qu'il y a certains qui c'est... Il y a des soldats ici. Il y a par terre là-dedans. Oh! Mais qu'est-ce que c'est?
Il y avait des vaches là-dedans, il y a des fermiers qui ont mis des vaches. Oh. Ah, regardez. Oh là 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 là. Moi, je ne vais pas pouvoir marcher là-dedans. Hein. C'est dégueulasse. Quelle idée qu'ils ont mis des vaches ici. Ah, c'était creusé ici. Ouais. Bah, c'est vieux aussi. Hein. Avez-vous des messages à faire parvenir des soldats peut-être ici? Comment? Quel est votre prénom? Votre prénom, s'il vous plaît. Les soldats, ici. Oui. C'est quoi votre prénom, monsieur? Avez-vous des messages à faire parvenir du temps de la guerre? Allez-y, parlez-moi de la guerre, quand vous étiez là en pleine guerre en fait. Le 1-8-44, le 1er août 44. Quelqu'un connaît cette date? Il y avait une porte ici avant. Au moins les trucs qui sont fermés, ils vont être cassés. Sacré truc. Hein. Je vois pas, il n'y a pas rien de. Pour monter en fait. Lisa. C'est bien, il y avait un nid ici. Oh, il y avait un nid d'oiseau aussi. Comment? Et à quoi servait-il ce bunker, s'il vous plaît? Allô? J'aimerais savoir à quoi il servait ce bunker pendant la guerre. Il y avait des bunkers spécifiques, mais celui-ci... Laissez-moi tous vos messages, même que ce soit des messages de guerre, pendant la guerre, ce qui s'est passé. Allez-y, je suis à votre écoute. Thank you.
Vous avez des prénoms pour moi? Comment vous appelez-vous? Quelle était votre profession en tant que soldat ici? Qu'est-ce que vous étiez? Caporal, sergent? Moi, je suis toujours à l'affût de choses comme ça extraordinaires, parce que c'est une histoire magnifique. Il s'est passé tellement de choses en 1940, 44, 45. Vous pouvez me dire ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous faisiez, votre rôle à vous? De prendre des photos. Vous pouvez me dire qui commandait? Dites-moi le nom. Est-ce que vous faisiez partie du Troisième Reich? J'ai cru entendre ça. Dites-moi un nom de votre commandant en chef. Comment s'appelait? Comment il s'appelait? Comment? J'ai qu'à entendre. Est-ce que c'est un bunker allemand, ça? Oui? Bah alors, donc, allemand veut dire le commandant.
Et il s'appelait comment? Comment? Arouzen? J'ai cru entendre ça. Il s'appelait comment? Avez-vous beaucoup souffert à ces moments-là? Comment? J'ai entendu une éclair. Vous avez beaucoup souffert? Pouvez-vous me raconter ce que vous avez subi pendant cette date, 1944? Pourquoi ça se trouve comme ça? La guerre, oui, c'était la guerre, bien sûr. C'était la guerre, comme vous dites. Mais vous avez dû en souffrir énormément. Ouais. Mais vous n'en dites pas plus. Racontez-moi, s'il vous plaît. J'aimerais entendre votre histoire à vous. C'est pas évident de raconter quand on a beaucoup souffert pendant la guerre, n'est-ce pas? Est-ce que certains sont restés ici dans ce bunker? Ceux qui sont restés ici dans ce bunker, qui n'ont pas monté vers Dieu, pouvez-vous me dire vos prénoms? Bon, en tout cas, je vais pas rester longtemps.
Voilà. Merci en tout cas pour tous ces messages. Je vais tout y réécouter. Hein. C'est du matériel que je vais pouvoir écouter après de tout ce que vous m'avez dit, tous les messages, tous les mots. Ça faisait écho, vous avez vu? C'est énorme ce bunker. Il est énorme. Il est énorme. Je comprends pas, c'est qu'il n'y a pas de marche pour monter là-haut. Il n'y a rien. Bon, écoutez, je vous remercie. Merci énormément que vous soyez soldat ou qui que vous soyez autour ici, même à l'intérieur de ce bunker. Merci encore et j'espère que vous êtes en paix et que tout c'est la misère qu'il y a pu y avoir pendant la guerre est finie pour vous. Vous ne souffrez plus. Et essayez de monter là-haut, surtout, près de Dieu, qui soit près de vous. En tout cas, je vous embrasse énormément, et je vous dis au revoir. Au revoir. Bon, écoutez, qu'est-ce qu'on peut dire ? Je n'ai pas tout entendu, bien sûr. Mais je vais réécouter tout ça et puis je la mets en ligne. Quoi, son bunker, c'est dommage parce que on ne voit pas tellement malgré ma lumière qui est allumée. Ça fait bizarre, quoi. Alors, c'est un bunker en pleine campagne. Apparemment, ils mettaient des vaches à l'intérieur. Il y a des bousses de vaches partout. Je n'ai pas marché dedans. Il y a énormément, mais il y en a partout. Bien sûr, c'est en plein champ. Donc c'est en pleine campagne, je ne vous dirai pas où se trouve parce qu'il est déjà... Il n'y a pas de tag, il n'y a rien, c'est bien. Je trouve ça bien, c'est... Par ces écritures, de quand c'est vieux, c'est ancien, il y a la date. Donc voilà, écoutez, je vous laisse. Et à très bientôt.